Un coureur de bois, qu'est-ce que c'est? C'est un homme souvent jeune, souvent natif de Nouvelle-France, dont l'activité consiste à parcourir de vastes étendues à travers rivières et forêts, vers l'ouest et les pays d'en haut, à la recherche de tribus amérindiennes pour faire du commerce. Leur voyage durait des mois et était éprouvant entre le canot chargé qu'il fallait faire progresser jusqu'à 12 heures par jour hein, de canot, la traversée des forêts et la chasse pour se nourrir. Tout commence à partir de 1660. Avant cette date, les colons installés dans la vallée du Saint-Laurent ne s'aventurent pas vers l'ouest, au-delà de la rivière des Otaouais. Déjà parce que c'est un terrain peu peuplé, inconnu, hostile,